C'est une réforme courageuse, mais qui était nécessaire, qui devenait même urgente, parce que malheureusement, la politique n'a pas forcément vocation à être synonyme de bonne gouvernance. Et pour gérer nos communes, il faut forcément des compétences. Et malheureusement, la politique a tellement envahi nos communes que nous n'avions pas pris l'habitude de mettre les personnes compétentes au poste nécessaire afin de pouvoir évoluer, faire évoluer nos communes. Et les résultats sont là aujourd'hui. Donc je suis vraiment heureuse qu'on puisse enfin dépolitiser un petit peu la gestion de nos communes, remettre les postes de gestion dans les mains de personnes ayant la compétence. La politique, d'un côté, le développement, de l'autre côté. Et la priorité pour nos communes, je crois, c'est plutôt le développement. C'est le développement, c'est de ça nos populations ont besoin. Le projet a toute la chance de réussir parce qu'on était très inquiets. Mais ce matin, on avait à poser beaucoup de questions au comité de réforme qui nous a quand même satisfait. Les points d'ombre qu'on croyait, points d'ombre, nous ont été clarifiés. Et je crois qu'en dehors de quelques réglages, peut-être de forme à l'Assemblée nationale, je crois que le nouveau code a des chances de paraître.